sert beaucoup ou pas d'emballer Ça protège bien. Ça protège bien. On emballe, non? Allez. C'est combien, oui, avant? C'est 10 euros par bagage. 10 euros? Oui. Par bagage? Oui. Bah, du coup j'ai payé, alors normalement c'était censé me faire 10, 20, 30, 40, 50, 60, et j'ai payé 40 euros. Voilà. Vous avez pu négocier? Oui, j'ai négocié, voilà, ben, c'est ça en fait qui est bien, c'est qu'on peut négocier. Moi je me dis que ça, on fait ce qu'on veut avec nos bagages, hein. Voilà, ce sont mes bagages, ce sont les bagages de l'aéroport. Je m'appelle Paul, je travaille pour l'entreprise Bagwrap qui s'occupe d'emballer les bagages à Roissy. Alors c'est la gauche, la petite valise en fait a été emballée dans notre entreprise. Donc on le reconnaît bien aux stickers qui prouvent qu'elle a été emballée chez nous. L'emballage il est beaucoup plus tiré, c'est à ça qu'on la reconnaît aussi, et bien plus résistant en fait. Il y a une vingtaine de tours à peu près qui a été faite dessus. C'est un film qui est spécialement fait pour ça. Alors la valise de droite, bah, on voit que déjà on voit beaucoup mieux la couleur de la valise à travers le film. Il y a beaucoup moins de film sur la valise. En gros c'est du film alimentaire, hein. Donc c'est pas particulièrement résistant. Donc normalement les compagnies sont censées refuser le bagage de droite. Air France, ils sont plutôt durs avec ça, donc ils font le contrôle. Maintenant toutes les compagnies ne le font pas, c'est pour ça que ça continue à arriver. Clairement ça peut abîmer bah, les machines les chariots en fait. Quand vous enregistrez votre bagage, ça part sur un tapis. Et en fait, le film se coince dans ces tapis. Alors là, on va avoir un truc intéressant. Sur la gauche, vous voyez, une balance gratuite. Elle est préemptée par les emballeurs clandestins, souvent, qui font payer les gens pour peser sur ces balances. Après, bien sûr, ils profitent pour les emballer en général. Ce qui me dépasse le plus, en fait, c'est que très clairement, c'est pas caché. Des fois, ça arrive, on les voit, ils sont arrêtés. 30 minutes après, ils sont sortis, quoi. Très clairement. Et ils recommencent à emballer. Et puis, ils emballent à côté de nous, ils se permettent de nous piquer des clients. Ah oui, très clairement. Et puis de l'argent à nous-mêmes personnellement. On a une commission sur chaque bagage emballé. Là, il y a des bagages qui sont déjà emballés, il n'est pas en train d'emballer, mais encore une fois, il est juste à côté de la machine en fait. Celui qui est avec la chemise blanche et verte, c'en est un. En fait, il se met devant la machine, puis il arrête les gens pour leur proposer d'emballer. Ouais, ils nous empêchent de travailler. Une fois qu'ils sont là, j'ai arrêté et puis j'arrête, ça doit rester. Voilà. Quand ils arrivent, ils nous disent de bouger. S'il y a d'autres parmi nous, s'ils ne les respectent pas, ils appellent la police. Voilà. Alors par rapport aux voyageurs, ouais aussi, parce que très clairement le prix est fixé un peu à la tête du client. Hier j'ai quelqu'un qui est revenu me voir, parce que bah, du coup son bagage avait été refusé par Air France. Il lui a fait payer 18 euros par valise. Ça arrive assez souvent qu'on ait des accrochages quand on leur demande d'arrêter de prendre des clients dans nos files d'attente ou quand tous leurs bagages sont refusés par certaines compagnies. Bah, des fois ils passent devant les machines et puis ils nous provoquent un peu quoi. Il y en a certains, je pense que ça a failli en venir aux mains. Là, une fois, il y en a un, il est passé avec des liasses de billets, il était content de nous les agiter devant le nez, quoi. C'est mesquin, c'est plein de petits trucs comme ça qui sont à force, en fait, au cumul, ça pèse sur le moral, effectivement. De plus en plus tendu. Comparé à quelques mois en arrière, c'est pire que tout, là, en ce moment. Comment ça se fait ? Je sais pas. La chaleur, plus de monde, du coup, ils se disent qu'il y a plus d'argent à prendre.